Hey, salut à tous! Je sais, vous attendez à une suite de Spider-Man, c'est ce qui va arriver après ce placement. En tout cas, j'avais envie de vous parler du display. Comme vous pouvez le voir, on a déjà collé ces magnifiques stickers contre le mur. C'est très simple en vérité, faut juste être deux en vrai. C'était censé être simple et toi tu dis ça. En fait c'est très simple, là on va juste mettre. Ce sont des aimants comme vous pouvez le voir. Et ça protège entièrement le mur, il faut juste retirer les petits stickers comme ceci. Ok, c'est satisfaisant. Et là il faut appuyer genre combien? 5 secondes minimum, pour de la dégaine. Je pense que c'est bon. Quand vous avez collé délicatement, vous sortez vos jolis displays. D'ailleurs, je vous ai fait une petite sélection, vous pourrez voir avec le lien dans la description. C'est joli. Hein, ça, c'est qui ça? C'est toi, ça, en ouais, suprême. C'est vrai, c'est moi. Quand je ferai la musique, je te regarderai. Ça tient fort. Nice. Wow, ça rend trop bien. Et là, ça, ceux qui connaissent, c'est Tyler, le créateur. Bah, c'est un mec que j'apprécie bien et je me suis dit que ça ferait BG si je le mettais comme ça. Et ils sont très facilement interchangeables. Ça, c'est ma chérie qui l'a choisi, du coup. C'était son display de choix. Il y a des promotions de malade, je vous conseille d'aller voir. Vraiment. Effectivement, à l'occasion du Black Friday, vous pouvez bénéficier dès maintenant des offres suivantes jusqu'au 3 décembre. J'adore. Je vais vous montrer à quel point c'est facilement interchangeable. Regardez. En fait, comme ceci. Un jour, t'en as marre, tu te dis j'ai envie de changer. Je refais la déco. Voilà. Nice. Et tu peux le baisser, tu peux le monter, tu peux. C'est ouf. Vas-y, mets-le en diagonale pour voir. Si t'as envie de le mettre en diagonale, tu peux. Les deux autres qu'on a choisis, c'est celui-ci et celui-ci qu'on trouvait qu'ils allaient très bien ensemble. C'est des frérots, quoi. Je vous laisse avec la suite du Let's Play Spider-Man. Et puis voilà. Bisous. Bye. Un Let's Play vraiment... Nous sommes de retour, effectivement. Mon matos a bien survécu au déménagement. Ah, mais le pire, c'est que j'ai un clavier pareil. Et je sais pas s'il va survivre à mon déménagement, justement, si un jour je déménage. C'est dingue. Cette télé doit avoir l'âge d'Abuela. Abuela, c'est la grand-mère, c'est pas gentil comme van. J'ai envie de fouiller encore un peu. Je regrette que tu sois plus là, Rick. On aurait bien besoin de tes conseils, Finn et moi. Les choses étaient bien plus simples à l'époque. Les gens, ils aiment trop dire ça, tu vois. C'était mieux avant, c'était je sais pas quoi. Mais là, il est vraiment tout seul à la maison. Toi-même, tu sais qu'un jeune tout seul à la maison, c'est le bordel. Je me rappelle le jour où oncle Aaron me l'a offert. Faudrait qu'on s'y remette un jour. En plus, il nous avait appelé l'autre jour. Maman ? Il nous avait dit. Il nous avait dit, ouais, ça serait lourd. Quelqu'un ? Bah non, alors, bah je suis tout seul. La chambre de maman ressemble de plus en plus à la chambre de maman. What? Quoi? La salle de bain commençait à être un peu en vrac avec Ganky, maman et moi. Tu m'étonnes, elle doit prendre cher. Je te parle même pas des chiottes. C'est vraiment beau les intérieurs. Vraiment, vraiment beau. Ce serait bien un peu de musique. Alors, c'est toujours la même collection, frère. Mais je m'en fous! Voilà, j'ai envie de quitter. Putain, on peut pas. On est obligé de choisir. Bon, c'est toujours mieux un peu de musique. Ça évite d'en rajouter au montage. L'attaque du pont n'a pas du tout ralenti maman. Elle s'en bat les steaks, ouais. C'est un truc de fou. Hein. Miles, je voulais pas te réveiller. Je suis au QG de campagne. Envoie-moi un texto si besoin. Si je fais pas gaffe, Ganky va devenir le bras droit de maman. Yo, mon pote, jette ta mère avec les réseaux sociaux. Je vais être dessin de feu. I'm going to be fire. Il va être en feu, quoi. C'est sympa d'avoir l'appartement pour moi tout seul. Tu m'étonnes, Roya. Tu m'étonnes. Quand t'es petit, t'es tout seul à la maison. Tu peux regarder la télé. Tu peux regarder surtout ce que tu veux à la télé. Et pas qu'à la télé d'ailleurs. Ok. Oh, tu peux rester comme ça aussi si tu veux, frère. Ça nous dérange pas. C'est moins discret, mais ça nous dérange pas. Waouh. J'adore. Comment ça fait plaisir. Ouais. Donc là, vraiment, on est tout seul. Genre, Ganky, il est pas là. La Madre, elle est pas là. Qui va nous appeler ou nous parler? Peter? Ah non. Salut les amis! Aujourd'hui, dans le DannyCast, je débat avec... C'est ça, votre intro? Le débat. Ah, c'est nul! Dans le milieu, on appelle ça noyer le poisson. Mettez-y un peu de cœur, bon sang. Laissez-moi vous demander, Danny. Ça vous arrive jamais de penser à l'image que vous véhiculez, à votre intégrité journalistique? Plus que certain. Parce que, pour un vrai journaliste, comme moi, votre campagne contre Roxxon est atterrante. Atterrante. Vous devriez vous en prendre aux jeunes justiciers inexpérimentés qui causent tous ces problèmes à Harlem. Ah, oh, c'est bon. Quoi? Vous transformez tout ce que fait Spider-Man en acte de malveillance et à côté de ça, vous excusez tous les crimes de Roxxon. Ce qui manque à Spider-Man pour avoir votre soutien, c'est une meilleure équipe de com. Ah ah, ah ah, ah ah, je ris. Les seuls problèmes que Spider-Man résout, c'est ceux qu'il crée lui-même. Je ne vais pas féliciter un pyromane qui éteint son propre feu. Ah, Roxxon, par contre, a construit une belle place dans un quartier qui tombait en décrépitude. Parce qu'ils ont rasé ses immeubles et détruit bon ses chèque. Commerces. Notre voir. Nouveau Spider-Man prouve sans cesse qu'Harlem n'est pas le fiasco que Roxxon veut nous faire croire. Quant à vous, Monsieur Jameson, pour quelqu'un qui dit aimer New York, vous semblez pas beaucoup aimer les New-Yorkais. Vous êtes complètement hystérique, jeune fille.
Alors je vais être grand prince et mettre fin à ce débat. Déjà ? J'arrête ! Coupez tout ! Qui a eu l'idée de débattre avec une adolescente ? Y'a aucun mérite à détruire une enfant ! Ma voiture ! J'ai besoin d'un massage suédois ! Allô ? Allô ? Ah, bon, bah, il est parti. Merci pour ce débat que vous avez proposé, monsieur Jameson. Et vous, les amis, pensez à vous lever toutes les demi-heures si vous bossez sur ordi. A plus ! Bah je bosse sur ordi. Moi, je filme 3 heures d'affilée, meuf ! C'est pas facile, cette histoire ! Bon, comment on fait les prises secrètes, là ? Quelqu'un m'a dit, c'est... Ok. Carré, mais je sais plus comment on fait. Je dois appeler Phil. Oh, merde. On veut qu'elle réponde. Salut, Spider-Man. Phil, salut. Il faut qu'on parle. En personne. Pour que tu mentes encore ? Pour essayer de tout arranger. S'il te plaît, rendez-vous à Trinity Church. Plus de mensonges, je te promets. Si tu te fous encore de moi... D'accord. On se voit là-bas. Elle veut bien me voir, c'est déjà ça. Ok. C'est vrai. Trinity Church, en route. T'as tellement de trucs à faire en vrai, c'est incroyable. Aïe aïe aïe, ça me fait mal à la tête. Voilà, ça me fait mal à la tête tellement il y a de points là. C'est-à-dire qu'en vrai, il y a vraiment encore pas mal d'heures de jeu, même après avoir fini la story en fait. Hé, ça chauffe entre Roxxon et l'Underground. Ah, Gunky ! Mais comment ça ? Gunky m'a parlé alors qu'il est pas disponible. Il parle dans l'appli en fait, mais il répond pas ! Il m'appelle pas, hein ! Ah ouais ! Voilà, c'est détestable les gens comme ça. Hé, Gunky ! Faut que je t'avoue un truc. Tu t'es fait mort par une araignée et depuis t'as des super pouvoirs ? Non, c'est pas... Enfin, oui, mais... Bon, pendant que tu faisais la grasse mat, disons que j'ai un peu joué à Skid Lanagon. La build que je t'ai envoyée au printemps dernier ou... Oh. La version qui est sur ton ordi. Non, celle-là est pas prête. C'est un bordel complet. Moi, je l'ai trouvé trop bien. J'ai adoré le moment avec les dodécaèdres éclatés. T'as atteint le troisième niveau ? Ouais, pourquoi ? J'ai battu ton meilleur score. Non, ça devrait pas être possible. J'ai supprimé ce niveau parce qu'il faisait cracher le jeu. Oh. Faut que j'aille tester des trucs. A plus. Mais ça servait à quoi cette conversation ? Juste pour lui dire en gros, je t'ai battu dans... C'est quoi le délire, wesh ? Mais ouais, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pu faire des sortes de sauts en plein air, tu vois, c'est trop stylé. Avec sa bioélectricité. That's nice, man. Bon, on va aller parler à la poteau. Ouh. Ah ouais, t'es déjà posé, Al. C'était une drôle de façon de m'annoncer que t'étais Spider-Man. J'aurais pu te tuer. Ouais, je sais, ouais. Tu veux que je culpabilise parce que toi, t'as failli me tuer ? Je veux que tu arrêtes de me mentir ! Je t'ai fait entrer dans l'Underground parce que je pensais que tu comprenais. Et je comprends. Ce que Krieger a fait à Rick, Roxxon doit le payer. Mais pas comme ça. C'est le seul moyen que j'ai de le battre. Tu dois me laisser faire. Je t'en prie. Je peux pas. C'est complicado. J'ai fait une promesse. Trop bien le plan. Moi aussi. Pourquoi cet endroit ? Pour revenir vers le droit chemin. Mon père nous a emmenés. Le concert. Cette chorale venant de sept pays. Tu te souviens ? J'ai adoré le Ghana. Y avait pas le Ghana, tu confonds avec la Guinée. Non, je suis sûr que c'était le Ghana. Guinée, Belize, Pologne, Cuba. Corée du Sud, Thaïlande, Venezuela. T'as raison. Comme toujours. Pas toujours. Ha. Pas cette fois. Hein ? What ? Ah ouais, c'est un rhino version Roxxon. Ah ouais. Voilà ce qui arrive quand vous traînez beaucoup sur TikTok. Vous devenez un monstre. Roxxon. Roxxon. Ah ouais, ça lui a désactivé ses pouvoirs. Ça sent mauvais pour nous.
Reno, tu n'es pas toi-même! Je te reconnais plus, frérot! Oh merde. Ah ouais. J'avoue que je suis déçu, mon grand. Krieger. Ta gueule. Ouais. La jeune Mason. Je savais qu'elle allait m'énerver. Mais toi. J'espérais qu'on serait sur la même longueur d'onde. On est où, là? Tu es derrière le rideau. C'est notre complexe le plus sécurisé. C'est ici que je fais ma tambouille. Vous êtes une ordure, vous le savez, ça. Ouais, il est au courant. Tu sais quand son frère et moi mettions au point l'uniforme. Vous avez juste mis votre nom sur le brevet. Il disait que tout ce que vous saviez faire, c'était vendre les idées des autres. Moi, au moins, je respire encore, ma puce. Bah ouais, mais t'es un connard, wesh. Changeons de sujet, d'accord? C'est ouf. Alors, pour commencer, je vais... Waouh! C'est trop génial. Ouais, c'est kiff. Il est bizarre. C'est volontaire ou c'est un réflexe? La vache, c'est top. Vois-tu, je vais te débarrasser de ce masque. Et je trouverai comment tu fais ça. Parce que tu... dégage un parfum de bio-ingénierie ultra avancée. Tu sais ce que ça me rappelle, gamin? L'odeur de l'argent. Tu m'étonnes. Bon, c'est l'heure de ma muscu. Aujourd'hui, c'est les jambes. Faites-la avouer où est mon uniforme. Mais c'est un fou comment il parle, ouais. Sans ça, on ne peut pas ouvrir la plaque. Oh, et servez-vous. Lui. On va finir ce qu'on a commencé sur le pont. Et sans caméra. Les bâtards qui sont en train de faire à notre Miles. Défends-le, meuf! S'il te plaît! Ah ouais, c'est quoi ça là? Réaliser une méga décharge volélectrique. Mais c'est moi, Electro! Wow. Dingue. Tu vas bien? Ils allaient te tuer. Ils sont méchants. Méchants, Roxanne. Merde alors. Je suis coriace, pas vrai? Faut qu'on trouve une issue. Mais en vrai, ça fait plaisir qu'elle soit de notre côté. Parce que ça aurait pu ne pas se passer comme ça. Hein. Roxanne a gardé Reno au lieu de le livrer à la police. C'est dingue! De rien. T'attendais à quoi, frère? Ne me surprends plus à propos de Roxanne. Est-ce que ça va? Ça ira, quand on sera dehors. Je désactive la vidéosurveillance. Tu peux regarder l'ordi? C'est toujours moi qui fais les trucs comme ça. Putain. T'as trouvé quelque chose? La sortie est là, à l'autre bout de ce bureau. On devra d'abord lever le verrouillage de la base depuis le poste de commande. D'abord, faut qu'on s'échappe de l'aile de sécurité. Je vais jeter un coup d'œil en bas pour voir à quoi on a affaire. Yallah, let's go. C'est verrouillé. La bioélectricité a marché dans la cellule. Ça devrait marcher sur la porte. Si je trouve... Salut, toi. Alors. C'est déverrouillé. Je vais de l'autre côté. Subhanallah. C'est bien ça, une petite... petite mission en coop avec... la meuf sûre. On doit sortir par cette porte, mais je vais devoir pirater quelques terminaux pour désactiver l'alarme. Je m'occupe des gardes. Les caméras de surveillance sont HS dans l'aile sud. C'est okay. Reno qui a dû les désactiver. Est-ce qu'on la joue discret ou on leur pète la gueule? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Et hop, oh là 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 là. Ah ouais, d'accord, mais ça va être plus compliqué que prévu. C'est judicieux pour cette mission parce que je pense qu'on va pas mal se faire casser la gueule. De mettre la difficulté la plus gentille. Voilà, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir les gars. Attends, on va essayer de ramener les poteaux. Je les adore. Je les adore ces poteaux. Oui. En plus, t'as vu, ils donnent un coup. Ça les soulève d'une manière. Bon bah voilà. Ah non. Attends. Ça suffit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah merde. Ok. Bon bah c'est fait hein. Ok. Je vais pour sécuriser le verrou magnétique. Toi, active la commande là-bas. Ça marche.
Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? J'ai cru que c'était un squelette de soldat. On dirait une collection d'archives. Je me demande ce qu'il y a sur ces ordis. Plus d'infos sur Rhino. Je sais, il dit qu'il veut raccrocher, mais soyons réalistes. Sans sa grenouillère en métal, personne n'aurait rien à battre de ce type. Améliorer son armure. Si on l'aide à broyer l'araignée junior, il oubliera toutes ses histoires de retraite. Ce mec passe son temps à manipuler les gens. Mais ça me rappelle quelque chose, hein. Ça me rappelle vraiment quelque chose, cette histoire. C'est pas genre Docteur Octopus, il avait manipulé Scorpion, je crois. Et Rhino aussi, au final, je crois, il leur a promis des trucs, je sais plus. Contournement réussi. Il y a un mémo vocal là-dessus. Chef, la police nous a demandé pour Rhino. Qu'est-ce qu'on répond? Notre contact du RAFT crée un programme de réinsertion citoyenne. Dites aux agents que Rhino fait quelques travaux d'intérêt général. Comment ils ont pu leur faire gober ça? La porte est déverrouillée. Il faut que je te demande. Pourquoi Tinkerer? C'est un surnom que Rick m'a donné. Quand il me montrait comment réparer des trucs à l'atelier, il m'appelait comme ça. Ça veut dire bricoleuse. Je sais pas. Mignon. Ça me... Mais on savait un peu. Hein. Ouais, je suis allé rentrer dans la porte. Enfin, dans le mur. Je ne peux pas les laisser partir tant que je n'aurai pas mon uniforme. Il devrait même pas être là. Ton Gorin devait prendre que la fille. Ouais, ça ne me plaît pas. Je vous explique. Spider-Man est le meilleur levier dont je dispose pour Miss Mason. Je veux dire, vous les avez capturés ensemble. Enfin, c'est toi qui les as eus, mais seulement grâce à des infos. Alors, qu'est-ce qu'il fait là, le... Je crois qu'on tient le bon bout, là. Tu as promis de laisser le petit tranquille. Oncle Aaron? C'est à lui qui parlait, en fait. Le petit... J'adore quand tu dis ça, ça fait tellement paternel. Relâche Spider-Man, et je te ramènerai ton uniforme, des infos sur l'Underground, tout ce que tu veux. Vous voyez? Un levier. Miles, Spider-Man! Moi aussi j'ai un levier. J'ai vu des choses. Le uniforme qui rend les gens malades. Ce qui est arrivé à Rick Mason. Si la presse l'a... Mais tu ne diras rien. Parce que tu es un voleur recherché. Et puis avec tous nos antécédents, on nous mettra sûrement dans la même série. Et on sait tous les deux que ce n'est pas l'altruisme qui t'étouffe. Je me trompe. Donc, nous allons rejoindre Miss Mason et Spider-Man, mais j'ai peur que toi, tu ne sois pas invité à la fête. Bye. Ah ouais. Haja le trahison. Haja le... Bizarre. Non. Attends. Tu connais ce type? C'est à cause de lui qu'ils nous ont capturés? Non. Je savais qu'il travaillait avec Roxxon, mais... J'aurais pas cru... qu'il me livrerait comme ça. J'y crois pas. Tu m'as attiré dans un piège. Pourquoi bah nous-mêmes. Continue à t'écouter. On a été piégés, wesh. Non. Il doit y avoir une explication. Je savais pas que ça allait arriver. C'est... Arrête. Continuons. Ils ont lancé un verrouillage. Il faut qu'on rentre dans ce poste de commande. Donc on doit passer de l'autre côté de ce volet. Il y a un panneau de maintenance ici. Parfait. Si je surcharge le moteur, ça va exploser. On a justement besoin d'une explosion pour détruire ce rideau. Et hop! Allons-y, on y est presque! Tout ça pour ça, hein? Voilà notre sortie. Il me faut quelques minutes pour l'ouvrir. Apparemment, ils ont deviné notre plan. Ça t'étonne? Y'a qu'une seule issue. Ok, je vais m'occuper des gardes. Toi, tu ouvres la porte. Comme d'hab! Juste un truc. T'as jamais eu envie de... m'appeler pour me dire que t'étais Spider-Man? Oh, c'est bon. Tu sais, quand mes parents sont morts, Rick a dû pratiquement remplacer mon père. Je croyais que ça me manquerait d'avoir un frère, mais... je t'avais, toi. Finn, je... Ouvrez-moi cette porte! Elle va finir par lâcher! Vas-y! Je m'en sortirai, sauve-toi!
Elle vient de se faire frère zone, hein. Moi, je pensais qu'il se passerait un truc entre eux, mais pas du tout. Ah ouais... Ces types avec des lumières sur leur casque ont des capteurs de chaleur. Ils peuvent te voir quand tu te rends invisible. Je me demande combien de budget ils consacrent à la recherche, rien que pour nous compliquer la vie. Probablement des millions de dollars défiscalisés. Va faire le ménage. Je désactive la sécurité qu'on puisse sortir. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Lui, il a compris qu'il fallait venir là. Ouais, attends, timing. Ouais. Éliminez la cible au moins. Élimine-toi, ouais. Retrouve-moi dans la salle d'expo au bout de la chaîne de montage. A tout de suite. Ok. Bah franchement, on a éclaté pratiquement tout le monde en discret. Là, je crois qu'il reste que lui, hein. Et hop. Nice. Ça va laisser une trace. C'est bon, là. Tu viens? Ils ont verrouillé les portes, on dirait. Je trouverai un autre moyen. Allez, les conduits. Si on prévenait les médias de la mort de Rick... T'as des preuves? Parce que je doute que les gens se laissent convaincre par deux justiciers. Y a forcément un moyen. Ça doit être la sortie. Hé hey. C'est à toi? Merci. Je connais cet endroit. C'est le labo de Krieger. Krieger a un labo? Ouais, mais juste pour faire genre. Rick m'a montré une photo un jour. Le labo de Krieger. Attends. Toutes les données du projet Nuform sont là. Rapport de toxicité, test de sécurité raté, et le nom de Krieger est partout. Avec ça, on peut détruire Roxxon. Merde! Ah bah, comme par hasard. T'aimes ma nouvelle couleur? À l'épreuve de tes petits zip-zap-zop. Zap-zop? T'es sérieux là? Zip. Maintenant! Zip-zap-zop! Finis son temps! En vrai, ça lui va bien. Nice. Là, on a elle pour nous aider. Ça, c'est bien. Hein. J'ai pas peur de toi, frérot! J'ai pas peur de toi! C'est reparti! Ouais! Quel beau gosse! Ça marche pas, j'ai l'impression. Aïe, aïe, aïe. Nice. Une mort valable? Je pense que c'est son idée à lui d'un compliment. Yeah. On va s'amuser. Tu continues de te relever, ta gueule, tu continuerais de te mettre à terre. Oh, mais moi, j'ai besoin de te mettre à terre qu'une seule fois. Allez, let's go. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, contre les murs, ça lui fait rien. Elle est en train de leur casser la gueule, je crois. Hein. Wow, j'adore. C'est les piliers, en fait. Les piliers, ça va être bien. Rino, c'est la grosse brute sauvage, mais en vrai, il te fait de la peine. Je sais pas comment te dire. Vraiment. Il est dangereux, mais il est bête. Je sais pas, oh tu non, vois, il... Wesh. Peut-être que si je charge les moteurs... Mais c'est un malade, lui. Aïe, aïe, aïe. Attends, deux secondes. Et je lui balance à la gueule, ouais. Balance-lui! Roxxon avait peut-être pas prévu les moteurs explosifs quand ils ont conçu ton armure. C'est vrai. Le mec, je l'ai éclaté, mais de dos. Hein. Frérot, tiens, ta gueule! L'armure high-tech, elle est un peu cassée, Rino. Ouais. Tiens, croyant. Tu vas flasher. Super attaque. Elle kiffe pas, là, hein. Là, il kiffe beaucoup moins. Et on l'a finish. Oh là, j'ai cru qu'elle avait coupé son bras. L'armure de Roxxon est désactivée. Vas-y. Ça marche. Ah ouais, là, ça lui fait... ça le protège plus trop, là. Il hein fait moins le malin. Oh là 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 là. Juste ça, en fait, ça suffit. Juste ma gueule électricité. C'est trop bien. Wow, je peux l'enchaîner de fou. Oh là 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 là, encore! Wow. Trop puissant. Attends. Surveille-le quelques instants. Je reviens tout de suite. Les données de Krieger vont faire plonger Roxxon. Sans violence. Tu sais...
Krieger m'a dit comment ton frère était mort. Oh, ferme ta gueule. Très amusant. La ferme. Il m'a dit aussi que c'était ta faute. Krieger a modifié le réacteur. Elle va lui soulever sa race, il va rien comprendre. Elle a essayé de le surcharger pour être dans les temps. Aïe, 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 aïe. Si Finn fait ce qu'elle avait prévu, c'est pas vrai. Harlem. Tu l'as regardé mourir. Sans rien faire. Ne l'écoute pas, Finn. Non, non, non. Va en enfer. Oh, okay. Elle lui a planté dans la tête. Finn, qu'est-ce que tu... Ah, elle a pété un câble, c'est bon. C'est bon. Here she goes again. Tu m'as combattu sur le pont. Détruis mon labo! Tu m'as fait kidnapper! Finn! Finn, le réacteur! Tu m'approches encore. Et je te tue. Ah ouais, c'est bon. Mais. On est une famille! Ma famille est morte. J'ai besoin d'aide. Aïe, 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 aïe. Ça... Ça sonne pas très très bien tout ça. Attends, c'était assez prévisible. Je vais aller chercher une serviette et des antibiotiques. Ok. Vous pouvez pas rester potes comme ça, Miles, tu vois. Où tu étais? Pas le cas passant. C'est quoi ça? Un costume pour Halloween. Il faut que je te dise quelque chose. Finn veut détruire la Plaza. Ouais. Tu la poursuivais à travers la ville déguisée en... Spider-Man. Tu aurais pu mourir. Oui. Je n'en reviens pas. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de... tout ça? On a toujours parlé... de comment te protéger. Mais ça... Tu m'aurais buté! Je voulais pas t'inquiéter. L'autre Spider-Man est parti, et moi... j'ai fait qu'empirer les choses. J'ai fini par te décevoir. Miles... Quoi que tu fasses, ou qui que tu sois, rien ne pourra jamais m'empêcher de t'aimer. Même si je vends la coke? Nada. Tu me rends plus forte, Miles. Pour moi, c'est ça un vrai héros. Quelqu'un qui se bat pour les gens qu'il aime. T'es gentil, maman. Quelqu'un qui n'abandonne pas. Gloria s'occupe du fist, et Théo nous aide pour le porte-à-porte. C'est parfait. On peut commencer l'évacuation. Je te retrouve dehors. Chaque jour, tu me rappelles un peu plus ton père. Bon, ça va, c'est passé, hein. Fais attention à toi. Promis. Elle va pas nous buter, on va se faire buter autrement. C'est toujours bien. Il y a plus un plan sur le daron, putain. Miles. Je vais dire aux gens de Harlem qu'il faut évacuer, puis je ferai du porte-à-porte avec ta mère. Ok, cool. Je tenais à te dire merci d'être là pour moi. Hey, j'ai besoin d'un service avant que tu partes. Ce que tu veux. Je veux recouper les activités de l'Underground avec les immeubles où on peut stocker d'uniformes. Tu pourrais pirater les tours de surveillance d'Oscorp ou... C'est fait. Faudra du temps pour affiner la recherche. Aucun problème. Merci. Progress. Je vais me dégourdir un peu les jambes et y aller. De retour au QG, frérot. C'est trop bien. Vraiment trop stylé. Hey, j'ai trouvé la cachette de Finn. Le forum des sciences au score.
Fermé pour rénovation. Oh non! Le convertisseur d'énergie avec lequel on a gagné l'expo science au collège. C'est avec ça qu'elle va finir de rendre l'uniforme instable pour faire sauter à Roxane Plaza. Wouah! On dirait presque qu'elle a fait exprès pour se venger de toi. C'est peut-être le cas. Merci, Ganki. C'est normal. Bon, je dois aller aider ta mère à évacuer Harlem. A plus. Ok. Forum des sciences Oscorp. Il faut que Finn sache ce qui va arriver si elle applique son plan. Si elle m'écoute pas, je volerai le uniforme. Je le détruirai s'il le faut. Me soulèverai s'il le faut. Barricadez-vous, les amis. La tant attendue tempête du siècle arrive. Et il va y avoir un vent à décorner les cocus. Assurez-vous d'avoir suffisamment de provisions. Mes fidèles auditeurs auront déjà fait le plein de... C'était quoi, ça? Quoi? Ça fait partie de la story, je me disais, wesh. C'est pas possible. Désolé, petit. What the hell? Pendant que j'étais en train d'écouter Jameson, frère. Tu peux pas me faire ça? Oncle Aaron! Je pensais que tu me kiffais! Tu m'interromps avec un laser dans la gueule! Je peux pas te laisser y retourner. Laisse Krieger et Tinkerer s'entretuer. Tu reprendras du service quand les choses se seront passées. Et quoi? Tu veux que je me planque? Je suis pas Spider-Man juste quand ça m'arrange. Je dois arrêter Finn. Non, tu dois vivre. J'essaie de te le faire comprendre, mais tu n'écouteras rien. Si tu t'inquiètes autant pour moi, pourquoi tu m'as balancé à Krieger? Je t'ai pas balancé. Ouais. Je suis sérieux. Ils étaient pas censés t'emmener. Krieger me l'avait promis. Tu veux refaire partie de la famille? Et t'as rien trouvé de mieux à faire? Je t'ai sauvé la vie. Tu m'as enfermé. Pour ta protection. C'est comme ça que tu me protèges? Bon sang, Miles. Je veux pas te perdre aussi. Égoïste. Et moi, je veux pas laisser des gens mourir juste pour sauver ma peau. Tu m'as sous-estimé. Wow. Bon, là, je crie, il allait se prendre un vent. Miles, non. N'essaie pas de lutter. J'ai pas envie. Mais je peux pas rester dans le trou. Alors, je ferai ce que j'ai à faire pour te protéger. C'est pas du tout moi le problème, c'est toi. Attends. C'est toi qui as peur. Me mets pas ça sur le dos. Le bouclier. Bah, attends, frérot. Son camouflage. Je dois le faire crier. Ah ouais, je dois faire griller, effectivement. Mais laisse-moi, frérot, je dois faire griller, ça. Je suis obligé de me battre pour cette ville. Et toi, quand est-ce que tu vas comprendre que tu pourras pas le faire si t'es mort? Je vais faire un sprint dans sa mère. La fille ne se rend pas compte de ce qu'elle va faire. Allez, tiens. Tu t'es mis une raclée. Je suis le seul à vouloir te sauver. Et moi, je veux sauver tous les autres. Ah ouais, il a sorti les griffes, hein. Il veut vraiment du mal, hein. T'es toxique, frérot. Allez. Tiens. Et encore. Et encore. Ça te suffit pas? Ouais, il s'est repris vite fait, hein. Ton mentor t'a pas appris à choisir tes batailles. Il m'a appris à penser aux autres avant de penser à moi. Allez, frérot. Aïe, aïe, aïe. Oh, la patate. Je connais ta rue, mon feu. Ta gueule. Oh, comment elle a disparu, le bâtard. Tu mets des patates au hasard. Dès que je te vois, je t'éclate. Allez. Voilà. Tu te lances dans un combat, tu peux pas gagner. Tu sais qu'il faisait ça aussi. Me parle pas de lui. C'est un bâtard, wesh. Comment il parle? Tu veux que ta mère s'en trouve toute seule? J'empêcherai ça. Des hologrammes? Encore des gadgets de tes copains chez Robson. Ah ouais. Moi aussi, des hologrammes, frérot. Bon, c'est pas la même gamme d'hologrammes. Mais ils sont quand même là. Je suis
gamin qui inspire les autres maintenant. Tiens. T'as jamais voulu accepter que je sois Spider-Man, que je dois prendre des risques. C'est vrai, je veux plus voir des membres de ma famille mourir en jouant le héros. Ah, c'est pas parce que tu dis ça que ça va changer quoi que ce soit. C'est pas toi qui décide. Allez, on va le soulever. Allez, je l'ai désactivé carrément. Elle est trop fort pour toi, frère. Je sais que j'ai merdé. Je t'ai déçu. Mais on est une famille. Une famille ? Ça t'a pas empêché de me mentir, de me manipuler, de me combattre. Être une famille, ça suffit plus. Je veux pas que ça se termine comme ça. Qu'on devienne ennemis, à toi et moi. C'est déjà ce qui est arrivé avec ton père. Je veux pas que ça recommence. Moi non plus. Mais je serai jamais celui que tu veux que je sois. Je peux pas laisser tomber les gens qui ont besoin de moi. Je dois être meilleur que ça. Bien dit, frérot. Ok, c'était sympa cette petite raclée avec l'oncle. Waouh, en plus il fait beau. J'adore. Et le ciel comme ça, c'est typiquement Spider-Verse. C'est magnifique. Il y a certains plans, on dirait, ils sont étudiés, tu vois. Genre, quand tu te mets comme ça, par exemple, tu te mets comme ça, avec la neige. Ganky, mon oncle vient de me kidnapper. Il m'a enfermé. Hein ? Ça va ? T'as rien ? Ouais, tranquille. Si tu me battes contre lui, à la fin, je lui ai dit que je voulais plus le voir, plus jamais. Je suis désolé. Ça a pas dû être facile. Il m'a pas laissé le choix. Je me dirige vers le Forum des Sciences. Appelle-moi si ça chauffe à Harlem. Ça marche. Bonne chance, Spider-Man. Oh là, il me bute comment il parle, je te jure. Allez, Finn. Ici Finn. Laissez votre message. Je l'écouterai sûrement un jour. C'est Miles. Je sais que t'as tout sauf envie de me parler en ce moment. Mais il faut que tu m'écoutes. Krieger a amélioré les specs du réacteur. Si tu connectes une uniforme instable dessus... Votre message a dépassé la durée maximale pour cet utilisateur. Veuillez raccrocher. Je la rappelle. Elle dégoûte. Ça dégoûte les gens comme ça là. Ah ouais, c'est la dernière mission ça? C'est votre dernière chance de procéder à des améliorations avant la conclusion de l'histoire. Ah ouais! D'accord, bah on a bien avancé quand même hein. Le musée a fermé pour rénovation et l'underground s'est tapé l'incruste. Finn doit être à l'intérieur. C'est joli tout ça hein. Ça donne envie de profiter du moment, de se balader un petit peu. Même si en vérité c'est une question de vie ou de mort, hein. On n'a pas le droit de faire les cons. Là ils sont postiches. On va y aller en mode normal. Salut. C'est bon, ça va aller. Faites pas attention, vous inquiétez pas. Faites pas attention. Ah, oh, mais je savais pas que ça allait faire une alerte. Ah ouais, je pense que ça va être un truc pareil. On va devoir désactiver des bails. Je pense que je pourrais le faire que quand j'aurais pété la gueule à tout le monde, je crois. Hein. Hello. Wow. Coup de genou. Ah, ça fait mal de fou. Ok. Voyons quel genre de sécurité vous avez. C'est ça la sécurité, frère. Faut réussir à ouvrir ce truc-là. C'est le même genre de barrière qu'au James Theater. Tout à fait, ouais. Faut que je vide les générateurs dans ces abris. Wow. Ils sont verrouillés. Je l'ai fait accidentellement en plus. Bah voilà le bail. Une nouvelle source d'énergie. Oh, cool. Ça va ouvrir la grille. Gagné. Alright. Collante et conductrice. Aïe, aïe, aïe. Ok, il faut faire ça. Vu que là, il y a un angle mort. Ça y est, ça. Nice. Quelle intelligence incroyable. Perspicacité et vivacité d'esprit. Subhanallah. Les vraies choses se passent par ici. Bon. Y'a quelqu'un? Waouh. Les reflets. Là, l'expo a eu lieu dans ce hall. C'est beau. Oh, c'est tellement beau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des logos Oscorp et tout. C'est des boîtes qui fait plaisir. Pour les améliorations, toi-même, tu sais. Finn! Allez, faut en finir. C'est entre toi et moi. Il a le don pour parler comme un enfant. On doit être avec notre projet, au bout du couloir. Finnick, Finn! Finnick, en arabe, ça veut dire où es-tu? Finnick! Finn! Aïe, aïe, aïe.
Fais signe, Finn. Fais des rimes. Waouh. Allez, le mollasson. Je veux voir notre projet avant qu'on meure de vieillesse. Ça va, j'arrive. C'était mignon. Ils nous ont mis où ? J'ai le plan du musée sur mon téléphone. Notre projet est dans une expo temporaire en haut. Ah, j'ai hâte de voir nos noms sur la plaquette comme des vrais scientifiques. Aujourd'hui, le Forum des sciences Oscorp. Demain, tous les plus grands musées du monde entier. Même elle à l'ancienne est buggée bizarrement. Ça se voit, elle était pas nette avec nous. C'est mal, elle sait même pas où elle va. Incroyable cette histoire. Depuis le milieu du XXe siècle, les scientifiques imaginent toutes sortes d'habitations sous les vagues. Peut-être qu'un jour, en regardant par la fenêtre, vous saluerez le chatoyant poisson clown ou la mystérieuse baudroie. Celui-là, je vais l'appeler Howard. À ton tour. Léviathan. Trop bien. C'est un ouf, Léviathan, oui. Cette maquette combine à la fois le design d'un sous-marin et l'intégrité extrême d'un véhicule piloté à distance. Ouais. Ce prototype d'Oscorp pourrait ouvrir à l'humanité de nouvelles possibilités d'exploration. De nouveaux problèmes aussi, hein. Il nous en faut absolument un comme ça. On pourrait en construire un avec un aspirateur et des vieux pneus en se creusant un peu la tête. Qu'est-ce que tu racontes ? Vous pensez que vivre sous la mer relève de la science-fiction ? Détrompez-vous. L'homme se sert d'habitat sous-marin depuis les années 60. Cette maquette représente un modèle de résidence subaquatique pérenne. Aujourd'hui, les New-Yorkais bâtissent vers le haut pour gagner de la place. Demain, nous irons peut-être dans le sens inverse. Non, merci. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as peur ? Des requins, du noir, des espaces confinés ? Très peu pour moi. La Terre est plus vaste que ce que vous croyez. C'est bizarre de se dire comment c'est aussi peu sur notre planète. Inexplorée. Et représente potentiellement la c'est prochaine beau. Frontière des habitations. Trop beau. Eh, franchement, c'est joli. Comment ce jeu sur PC, ça aurait envoyé du très 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 lourd. Ce scaphandre est l'un des premiers développés au début du 18e siècle. La première tenue de plongée résistant à la pression a été mise au point pour repêcher des biens ayant sombré. De nos jours, ces tenues servent aux sauveteurs, aux scientifiques et aux explorateurs. Tu crois qu'il me laisserait l'essayer ? J'adorerais te voir essayer de marcher dans ce machin. Oh, dépouilleur. Ça peut pas être pire que tes chaussures au bal du printemps. Oh, ça va. Les siennes avaient plus de talons que les miennes. Il a pris la forme du truc, genre. L'expo temporaire est en haut. Voilà l'ascenseur. On a le temps de regarder le reste d'abord. C'est joli. On va se retrouver nez à nez avec la vraie Fine de maintenant. Cette maquette met en scène une mission pour terraformer et coloniser Mars, notre plus proche voisine. Ce village est conçu pour... C'est comme une petite communauté sur Mars. Ça manque de café et de street art. La vie sur la planète rouge est bel et bien possible. Trop trop stylé. Je sais pas si vous avez déjà vu des images sur Mars, c'est incroyable. À l'aide d'un alliage à mémoire de forme, ou métal intelligent, les scientifiques d'Oscorp ont mis au point ce prototype de métal capable de changer de forme sans perdre son intégrité. Wow, regarde ! Un jour, le métal qui change de forme. L'idée est cool, mais c'est vraiment trop basique. Je suis sûr qu'on peut faire mieux. Voilà, c'est ce qu'elle a fini par faire elle-même, avec ses armes et tout. Ah putain ! Faut dire que ça lui donnait des idées tout ça, hein. Ce modèle d'habitation protégerait ses occupants des températures glaciales sur Mars. Hey, regarde ça. Ouais. Tu veux une maison sur Mars ? Bien sûr. Si j'ai le droit d'amener mes micros, mes haut-parleurs, mon sampleur... Ils te laisseront pas prendre tout ça. Ils accepteront s'ils veulent du bon son sur Mars. Ah là, c'est moi ça. Ouais, mais les micros et tout, et compresseurs, on fait comment ? Ah, on se fait une partie ? Ah, c'est à celui qui bourrine le plus. Donc tu déclares forfait ? Jamais. Allez, plus vite. Allez, mets les gaz. Allez. J'ai trouvé un domaine où je suis le plus fort. Ça durera pas. Ah bon. Attends, c'est quoi ça? Déjà lumineux. Sur Terre, l'énergie solaire pourrait fournir... C'est des panneaux solaires adhésifs du futur. Et colonies extraterrestres du futur. En chaleur et en électricité. Et ces autocollants Oscorp montrent à quel point les cellules solaires peuvent être sous... Oh, t'aimes les véhicules. La prochaine Tesla, ça va être comme ça. Trop bien fait, l'expo. C'est
crédible. Rick arrive bientôt ? Il vient de m'écrire. Il va rentrer dans le métro. Ça veut dire qu'il peut arriver dans 20 minutes ou dans 2 heures ? En gros. Attends, j'ai envie de voir ça, c'est quoi ? Gros satellite, là. Des astronefs, publics et privés, explorent actuellement notre... Je parie que ça rend une qualité sonore de malade. Pas dans l'espace. Bonjour, madame. Vous avez vos entrées pour l'expo temporaire ? Oh, notre projet est exposé. Je pensais pas qu'il fallait des entrées. Eh bien si, et c'est complet. Donc je ne peux pas vous laisser monter. Wesh. Quand même. Elle a dit que tout était vendu. Ouais, mais tu vois cette porte ? Le couloir derrière mène droit à l'ascenseur. On va pas risquer. On n'a pas le choix. Ils vont démonter l'expo demain, on n'aura jamais l'occasion de la voir. Ah ouais, la situation qui vient de se passer, littéralement, c'est comme si t'allais dans une boîte, tu te fais recaler, alors qu'il y a ton propre son à toi qui tourne en boîte. C'est une dinguerie, frère. Non, mais là, je le prends mal, hein. Je le prends mal pour Miles et l'autre, là, je te jure. C'est dégoûtant. Pète-moi ça, frère. Allez, je reconnais ce genre de serrure. Si on éclaire à l'intérieur, ça s'ouvre direct. Mm-hmm. Les flashs de nos téléphones, ça marcherait. Mais ça porte pas assez. Ça marchera si on arrive à glisser un truc réfléchissant sous la porte. Mm-hmm. Un truc réfléchissant. Et polymorphe, ce serait l'idéal. Polymorphe ? Tu veux dire qu'il change de forme ? Alors comme ça, on se met à utiliser des mots compliqués. Ferme-la. Voilà, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Il va falloir être super sournois pour y arriver. La sournoiserie, c'est ma spécialité. Un alliage à mémoire de forme. Je peux le modeler sur l'appli du musée. Comment tu veux c'est faire ça ? C'est dingue ce truc. Tu crois que c'est de la métamatière ? Ça y est, prends-le. Faut pas qu'on se fasse griller. C'est bon, on y va. Wesh. Oh, non, quelle discrétion. Pas de soucis. Waouh. Ah, il faut une matière réfléchissante. Trop cool, c'est Peter et Doc. Les outils externes communiquent directement avec l'ordi du module de commande. On pourrait répliquer l'idée, mais avec une interface neurale. Ça surchargerait la ligne centrale. Pas si on l'intègre par-dessus le maillage entier, via des points d'entrée multiples. Hmm. Tu crois que tu pourrais t'en charger ? Avec du temps et des hectolitres de café ? Absolument. Je m'occupe du café. Bien vu, Peter. Nice. Je n'y arriverai pas sans ton aide. On devrait retourner au labo. La pause déj est finie depuis longtemps. Oh, Doc, je suis désolé, mais je vais devoir m'absenter cet après-midi. C'est une urgence. Encore ? Tu as des choses plus importantes à régler ? C'est trop bien. Alors là, Peter, déjà, il a inventé des excuses. Oh, regarde, des miroirs solaires. Oui. Et ils sont autocollants. Parfait pour tromper un verrou sensible à la lumière. Ah, c'est tout petit, en je plus. Je vais coller le miroir sur le métal. Allons-y. Alors là, pour faire des conneries, on est soudés, hein. J'ai la lumière. Dis-moi quand l'autocollant est pointé vers le capteur que je l'allume. Personne ne nous regarde pour l'instant. On doit faire vite. Nice. That's what I like. Ok. Attends. Comme ça peut-être, hein. Voilà. On a réussi, ça a marché. Allez, nice. Notre projet nous attend. Quelle bande de BG. C'était génial. Ah, oh, ça va me manquer de faire ce genre de truc avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Bah, toi. Tu rentres à Brooklyn Visions la semaine prochaine. Pas moi. Je vais pas m'envoler dans l'espace. On se verra encore. Tu seras occupé. Pas tant que ça. Je trouverai du temps pour nous deux. Non, mais sérieux. Bon, allez. On va quand même pas se mettre à pleurer. Allez, viens. On monte. Alors là, on dirait que c'est elle. Elle avait déjà plus de temps pour nous. Elle avait d'autres trucs prévus. Ouais. C'est bizarre un peu. L'ascenseur, il nous attendait. Ouais. Salut, meuf. Ça va ? Salut, pas. Allô, Mike. Salut, monsieur Davis. T'as le bonjour de Finn. Vous amusez bien ? Vous penserez à prendre votre projet en photo ? Papa, c'est pas important. Tu rigoles, c'est super important. Ok, ok, on prendra une photo. Bisous, papa. Ciao. C'est le padre. On y arrive. Notre projet est tout au fond. Waouh. Tu crois qu'ils ont installé notre convertisseur ? C'est un peu le but, non ? Par contre, il faut qu'ils intègrent de la biomasse, en lui donnant une poubelle, par exemple. Les scientifiques rêvent de voyager, voire d'habiter au-delà de notre système solaire. Vas-y, raconte-toi leur vie, là. Le module. Ça, c'est à nous, ça. Oh, 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 waouh ! Regardez-moi ça. Si jeunes et déjà des scientifiques primés.
Y a personne qui nous a dit qu'on était dans l'expo spéciale. L'entrée est payante. Comment t'es entré? En achetant un ticket. Comment vous êtes entré? C'est pas important. Eh, hey, venez là. On va prendre une photo. Attends, faut que tu sois dessus. Tu nous as aidé à le finir. Ok, ok, je viens. Poussez-vous. Voilà. Dites diploïde. Je refuse de dire ça. C'était ça la photo, peut-être que... Ils étaient en train de mater. Ouais, c'était revu. Aïe, aïe, aïe. Au même endroit, elle a installé le bail. Ça va pas. Finn, il faut que tu saches. J'en ai marre de t'écouter. Bon. Il faut que je lui dise pour le réacteur. Bien, c'est... Oh non, pas ça! C'est mon musée préféré! Quel bordel! Salut, je suis plus là! Ah, il sait plus où je suis, ce con! Il sait plus où je suis, hein! Yes. Très satisfaisant le combat. Surtout quand tu sais que t'as aucun enjeu au niveau de ta vie. Ah ouais, là, je suis pas en mode prise de tête, hein. Là, je suis en mode. On va finir tout ça! Toutes les sorties de Harlem sont bloquées. Vous êtes où? Pas loin de votre appartement. On cherche un abri. Allez, à Théos Bodega! Je vous rejoins rapidement. On va protéger tout le monde le plus longtemps possible. Je dois m'occuper d'eux avant de retourner à Harlem. Wesh, il était où? C'est incroyable. Finalement, ils sont restés loyaux, si je puis dire. What? C'est quoi ce trou là? Oh, en tout cas, c'est bien joli, hein. C'est pas fini tout ça? Voilà. Avant que Finn ne détruise le réacteur. Du coup, c'est par où? Par là. Ok. Donc on est rentré pour sortir, frère. Ganky répond. Comment ça se passe, l'évacuation? Mal. Rolson et l'Underground ont tout envahi. C'est une vraie zone de guerre. T'es en sécurité? Oui. Et ma mère? On s'est enfermé, votre gars. Dizaines de personnes, mais on est au piège. T'entends mal. Vous êtes où? Ganky? Ça capte super mal. Si tu m'entends encore, je suis en route. Tenez bon, s'il vous plaît. Les choses se passent pas très bien. J'ai jamais vu une tempête aussi forte. Non, en plus, ça se passe en même temps que la tempête. Et vous, qu'il y a un méga brouillard là, hein. C'est pas du tout comme. Comme d'habitude, hein. C'est Haja le perturbant. Ganky, tu me reçois? Ganky! Donc là, il est HS, hein. Tenez bon. J'arrive. Encore des ennemis! On va ravager ce parc! Ah là là, il y a Roxanne et il y a les autres là. Ah bah super, hein! Sûrement, il y en aura pour tout le monde! Ah! Je vais tous vous soulever! Méchant, pas méchant! Roxanne, pas Roxanne, Underground! Regarde lui avec son lance-roquette, mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre? N'importe quoi, hein! Je sais pas c'était quoi le projet, frérot, mais ça n'a pas de sens! Salut! Ah! J'adore! Ce genre d'action! Neutraliser l'Underground, mais capturer Spider-Man vivant si possible! Mais ta gueule, c'est bon! Je ramène les poteaux! C'est les gars sûrs! Je les adore! C'est pas un épisode si on les ramène pas! Vraiment, c'est pas un épisode! Pour moi, il faut qu'ils soient là! Faut qu'ils soient là pour participer à l'action! Mais ils disparaissent rapidement en fait! C'est ça qui me contrarie là! Il y en a sur les toits! Ah, mais c'est un bordel, hein! Le nombre d'ennemis! Bordel, quand pas possible! Oh bah, c'était rapide, hein! J'avais pas vu tout ce qu'il y avait sur le toit. Sur les toits. Aïe aïe aïe. Laisse-moi tranquille toi, dégage. Voilà. J'aime bien des fois juste les virer comme ça. Tu les vires et on n'en parle plus. Ah ouais, se retrouve dans l'autre toit là. Mais putain, mais c'est pas possible. J'ai pas fait ça pour que tu te retrouves là. Ah, l'hélicoptère, à part nous aveugler, il sert à quoi? Il sert à quoi cet hélicoptère? Nice, ça dégage. Qu'est-ce qui reste là? Le monsieur là. Et après c'est fini. Et après le... Putain, c'est pas un hélicoptère en fait, c'est un putain de... Ça, c'est un vaisseau spatial de délire.
Wesh, 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 mais c'est... Wow ! Il se passe beaucoup de choses, hein. C'est très mouvementé, hein, comme vous pouvez voir. Miles, tu m'entends ou pas ? On est à propos de dégâts. Tanti, tu me diriges vers l'aide, c'est tout. Caché à la théospo des gars. C'est tout un peu violent dehors. Faut que tu racontes. Ils sont à théospo des gars. Pas loin. Mais il faut que je m'occupe de Roxxon et d'Underground pour sécuriser les rues. Oh non, c'est notre immeuble. Faut surtout pas qu'il crame. Je me perds dans le blizzard. J'aille en direction de la fusillade. Ah ouais, mais attends. Il se passe des trucs, frère, c'est pas possible. Attends, faut éclater eux là. Les filles, je suis tombé. Mais t'as vu comment il est tombé lui? Incroyable. Rien ne va plus. Ils envoient toute leur force. T'inquiète, qu'ils envoient, frère. Qu'ils envoient s'ils veulent envoyer. Mais ça va pas la tête, monsieur? Ça va pas la tête? Waouh, non mais attends, c'est abusé, ouais. Je suis en train de s'envoyer des trucs là, entre factions, j'ai envie de dire. Monsieur, tenez ça, s'il vous plaît. Voilà, c'est qui reste là? On dirait que ça fight encore en bas. Ça fight encore. Bah, frérot, on a du travail là, hein. Bien plus que ce que je croyais. Tellement d'ennemis, et moi j'ai zéro... Zéro difficulté à les terrasser parce que forcément le skill est au rendez-vous comme d'habitude. Non, c'est surtout que la difficulté elle est très avantageuse, faut dire ce qui est. En même temps c'est voulu, hein. C'est fortement voulu. Mais il a quoi lui? Mais t'as vu comment il s'acharne? Il y aura pas d'esquive là. Ah bah apparemment c'est... Et hop, ah, voilà frérot. Voilà ce qu'on aime. Ah putain, j'arrive toujours pas à l'avoir, mais c'est grave. C'est quand même grave cette histoire là. Toujours pas, mais c'est fou quand même, hein. Voilà, petite portière dans la gueule. Ouf. C'est fini ou pas? Aïe. Ganki, vous êtes où? Vous pouvez vous enfuir? C'est qui ça? Il y a quelqu'un? Ah, c'est le mec de la petite épicerie. Hey, écoutez-moi. Il faut qu'on sorte de là. Mais je pourrais pas porter tout le monde. Quoi? Elle a déjà commencé. Qu'est-ce qu'il fabrique? Spider-Man en ligne de mire. Enfin! Il veut se racheter, hein? T'as des choses plus importantes à faire. C'est pas ce que tu disais l'autre jour, hein? Il a raison. Tout à l'heure. Vas-y. On les fera évacuer. Je reviendrai. Je sais. I'll be back. Ok, tout le monde! Essayez toutes les portes! On ne laisse personne derrière! Aïe, aïe, aïe. Ouf. Tu sais pas ce que tu fais. Ils méritent ce qui va leur arriver. Non, le réacteur. Krieger l'a modifié. Tu vas pas seulement détruire Roxxon Plaza. Tu vas faire disparaître tout Harlem. J'en ai plus qu'assez d'entendre tes mensonges. Ah, tu vas voir, meuf. Je trouve qu'il y a beaucoup d'acharnement quand même, hein. C'est trop tard. Bataille de regard ou quoi là? C'est un western. Je peux pas te laisser faire ça. Je peux pas te laisser m'arrêter. Quelle répartie. Aïe. Alright. Let's go. Le réacteur est en train de faire. Ah ouais, elle est chaude, hein. Elle est chaude, la meuf. La plaza.
qu'il rase le monument de Krieger. Si la place va s'effondre, nous Harlem s'effondre. Qui t'a dit ça, Krieger? J'ai fait des projections. Bah tes projections, elles étaient pas si correctes, meuf. Aïe. Tu peux pas m'écouter. Le Krieger a pas pu modifier le réacteur. Il est pas assez malin. Tu te trompes. Laisse-moi arrêter ça. Nice. Je t'ai déjà battu. Je peux recommencer. Non. Pas cette fois. Aïe. Reviens à toi. La fille que je connaissais voulait protéger les gens, pas les punir. C'est exactement pareil. Pas vraiment la même chose en principe, hein. Voilà, c'est bien. Je t'en prie. Patate. Dis la vérité. Ça te ressemble pas. J'aurais pas dû te mentir pour intégrer le background. Je pouvais revenir en plus. Je veux pas me battre. On discutera. Oh, il a plaqué. Quand j'aurai désactivé le réacteur. Oh my god. Oh putain. Tout le monde va bien. Je sais pas. J'ai mal. J'ai mal. Finn, regarde. Le réacteur va atteindre le niveau critique. On pourra bientôt plus l'arrêter. Non. Je m'enfuirai pas cette fois. Mais t'es malade, toi. Ah ouais... T'es la seule personne que j'aurais voulu avoir de mon côté. Je suis de ton côté. On peut faire tomber Robson avec ce qu'il fait sur le uniforme. Ça marchera pas. Tout le monde s'en fiche. On va se battre jusqu'à la muerte s'il le faut. Tu m'entends? Son épée est bloquée. Plus électricité. Ah. Allez. C'est comme ça? Aïe. Moi je suis pas fatigué meuf hein. C'est pas pour toi mais moi ça va. Niveau wesh mais elle sort des armes de fou malade. Alors arrête. Attends juste pour déconner on met les frérots. Ils vont se faire déglinguer rapidement hein. Allez. Ça me bute de faire ça toujours. Allez-y allez-y les gars allez-y. Courez. Mais ose pas ou quoi? Oh merde. Je vais te balancer meuf. Ça te dérange pas? Allez on la balance. On la balance. Hop là! Arrête ça, Max! Arrête ça! Toi d'abord! Toi d'abord! C'est le moment! Elle est bloquée! Off. On va faire chaque étage ou quoi là? Règlement de compte, parfait! Je passais juste vous dire, au cas où vous inquiéteriez, il ne nous arrivera rien, ce bâtiment exo. En fait, tout Harlem pourrait même. Est-ce que vous avez la moindre idée du genre d'assurance? Je ne parle même pas de l'éventuel. Tu parles d'assurance, lui, ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Oubliez Robson. Bientôt, ce sera Robsonville. Allez, à plus tard. Ouais, c'est ridicule. Non, je dois l'arrêter. Pas comme ça. Waouh, ça c'est tout New York. On verra ce qui se passe. C'est trop beau en fait. Waouh. Ça arrive. Mais il aurait pas voulu ça. Allez. Émeric aussi. Aide-moi à l'arrêter. Comment tu peux défendre son meurtrier? Je le défends pas, mais je refuse de sacrifier Harlem. Je t'ai laissé plein d'occasions de partir. Ah, vous voulez nous écrabouiller la tête, wesh. M'oblige pas à te tuer. Tu ne peux pas gagner. Pourquoi tu continues? Oh non... Parce que... Je suis... Spider-Man. Patate. Ah ouais, on abandonne, hop. Ça fait plaisir, waouh. Elle recommence avec ces trucs là. Putain, c'est grave. À chaque fois que je l'éjecte. Et à chaque fois, elle revient. C'est incroyable, elle aussi, elle lâche pas hein. Allez, encore, on va faire un tour. Imaginons la pute vraiment comme ça.
Ah là 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 là, va faire un tour dehors. Ça attire du bien. Waouh. Ça nous a ramené. Mais c'est gentil quand même. C'est une bonne intention, non? Elle est trop attachée à nous pour nous laisser partir. C'est ça que ça voulait dire. Non mais t'es surpuissante là. T'abuses un peu là. Regarde, elle me ramène encore. Mais c'est plus de l'attachement là. Wesh, faut m'épouser là. Aïe 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 aïe. That's nice. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Oui. Ha. Sert plus à rien tes gadgets. Regarde ce que t'as fait. Je te mets devant le fait accompli. Tu déglingues tout Harlem. Bravo. Et le tag, le graffiti là. De toute façon j'étais pas dessus. C'est pas normal du tout. Je peux l'arrêter. Aïe, 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 aïe. Alors nous, on va peut-être survivre, mais elle... Je sais pas comment ça va se passer, hein. De fou. Déjà, rien que dans la centrale là, quand elle a désactivé le petit truc, ça c'est un gros noyau. Quoi qu'il arrive, t'es invincible, frérot. T'es invincible, frérot. Il a trop de force, Miles. C'est un truc de malade. Mais Peter, je crois qu'il serait mort depuis. Oh, quel malade. Oh là là. Qu'est-ce que tu te réveilles, mon? Finn, regarde pas. Miles. Il se rappelle de Rick. Il essaie d'aspirer toute la puissance, mais ça va le... Ça vient de là, la scène du trailer. Oh mon dieu. Faut que tu bouges, meuf, je vais exploser. Dis-leur de s'éloigner. Je vais pas tenir très longtemps. Bouge, ta. Bouge, 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 bouge. Qu'est-ce que tu... Wow. Oh non. On va exploser, mais elle va être à côté. Tout va bien. C'est fini, laisse-toi aller.
Mais t'étais pas obligé de rester là! Putain. Quel bordel. Mais il est incroyable. Tu imagines? Est-ce que tout le monde va bien? On va bien. Tout le monde. Je suis dégoûté pour Finn quand même. Finn. C'est pas de la neige, c'est des cendres de Finn. C'est dégueulasse. Oh, c'est trop gentil. Tu sais, c'était la fille qui faisait le... du street art. Ouah, ce plan... incroyable. D'ailleurs, je crois que c'est la cover de la bande-son du jeu. C'est tellement beau. Hé, hey, reste pas ici, petit. On va s'occuper d'eux. On dirait qu'ils vont taper les gens. Vous avez vu son visage? Bon travail, Spider-Man. Merci. T'as capté. De qui s'agit-il? Lui, là. C'est notre Spider-Man. Nice. Elle est fière de nous, frère. C'est beau. Tout pour la maman. La maman à l'abri, frérot. 4 semaines plus tard. C'est clairement des images truquées. C'était du fake. Vous m'entendez? Du fake. Je courinerai. Ouais, ouais. C'est ta gueule. Vous m'entendez? Escroc. Va rejoindre ton pote Rino, là. À moins que Rino, il soit mort, lui aussi. Non, merde. Vous ne rêvez pas. Simon Krieger est derrière les barreaux. Aaron Davis, alias le rôdeur, s'est retourné contre lui et Roxxon. Davis ira en prison, même si sa peine pourrait être réduite. Je crois qu'il y a une leçon à retenir de tout ce qui est arrivé à Harlem. Ensemble, oh, il est sur on le est tag. Plus fort. Oh. Nous avons un Spider-Man rien qu'à nous dans le quartier. C'est pas mal. Il a l'air en forme, mais il est... This is where we come from, yeah we did it. C'est trop cool. Sitting on my back, I'm committed. This is where we come from, yeah we made it. Oh la la. We like oh 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 oh. Yeah. Yeah, les pas de danse, Roya. C'est la star du quartier, frérot. Lui, il a pas calculé, hein. Mais t'inquiète, les vrais savent. Trop stylé. Très bien, la forme. On se voit plus tard. Ah, t'es en fin de retour, toi. Hein. Après tout ça. Waouh. J'arrive pas à me faire à ce costume. Il est trop cool. Faut que je m'affirme. Ouais, c'est vrai. Quel beau gosse. Pete, est-ce que ça devient plus facile? Ouais, en partie. Mais il y a des choses qui restent difficiles. Roxxon a fait ça ici parce que pour eux, on vaut rien. Moi, Rick, Finn, tout Harlem. Notre boulot, c'est tout faire pour qu'ils ne s'en tirent pas comme ça. On va rajouter ça au Spider Serment. On y va? On y va. Badass. Oh, stylé.
combattre le crime ensemble. Wouah, ce plan! Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Bon, bah, c'était rapide, hein. C'était rapide, mais c'était franchement un bon petit let's play. Assez court, mais ouais, c'est... Comme on dit, c'était court, mais c'était bien. Oh, c'est quoi ça? Oh, me dis pas que c'est la suite de ce qu'on avait vu dans... Genre, à la fin de Spider-Man PS4. Mais oui! Il y avait un bail avec le fils du patron de Doscorp, je crois. Si je dis pas de bêtises. Tu vois, c'est le patron d'Oscorp, lui, tu vois ou pas? Signes vitaux stables, système circulatoire fonctionnel, activité cérébrale normale. Il serait temps de le faire sortir. Monsieur Osborne, c'est votre fils, je comprends. Voilà, c'était son fils. Mais nous sous-estimons peut-être le danger potentiel. J'ai dit wow. Libérez-le. Maintenant. Je veux trop la suite maintenant, moi. C'est une dinguerie, je veux la suite. Spider-Man 2, frère, balancez la sauce. Balancez la sauce. Mais du coup, ça va être quoi? Ça va être le bouffon vert? Ça va être quoi? Il n'y avait pas de bouffon vert dans Spider-Man PS4. Du coup, s'il n'y en avait pas, ça va être le bouffon vert, je pense. Et on va jusqu'à la fin. S'il n'y aura pas quelque chose, un petit message peut-être en mode « Hey, dans les bacs 2021, juin 2021, le jour d'anniversaire d'Ayoub. » Mais on sous-estime, hein, mais il y a tellement de gens qui travaillent. « Je n'arrête pas d'entendre les délires irrationnels des ados boutonneux de l'âge de Jared. » Âge, vous savez? Le grand dieu Jared, trouvez-vous un vrai boulot? Bref, ils parlent de l'appli Araignée Sympa du quartier. Ils prétendent que Spider-Man Junior peut tout faire. Eh bien, je viens d'utiliser la dite appli pour commander un saganaki de mon restaurant grec préféré à Astoria, en précisant bien que je voulais qu'il soit livré frais et flambé devant mes yeux, comme le veut la tradition. On va bien voir si ce petit frimeur de Spider-Man en est capable. Et voilà, Monsieur Jameson. Je vous laisse. Jared, appelez la police. Spider-Man s'est introduit dans le studio et il met le feu au... Oh, c'est vraiment délicieux. Envoyez les pubs, Jared. Je dois manger pendant que c'est chaud. Ah, non. Vous n'aviez qu'à en commander un. Alors pas touche. C'est à moi, Jared. Aïe. C'était ça le message caché, en fait. Ah ouais. Moi, je me suis dit, non, c'est sûr, ils vont balancer une date, quelque chose, là. On a besoin de quelque chose, là, il faut nous dire. 2022, 2023 ou 2024. Faut juste nous dire l'année, c'est tout. Là, je crois qu'on arrive dans les derniers messages. Oh. Oh non. J'ai cru qu'il y aurait quelque chose. Pourquoi est-ce si triste, Rouya? Pourquoi est-ce si triste? Bon bah... Vous avez terminé l'histoire principale, mais l'aventure continue! Vous pouvez désormais rejouer des missions déjà accomplies avec Rejouer à partir du menu Pause ou refaire les activités à SDQ. Avec l'appli SDQ, vous pouvez également modifier l'heure de la journée à partir du menu d'options, bah, comme pour l'autre Spider-Man au final. Vous pouvez recommencer en difficulté ultime, ou bien en très facile, c'est bien aussi, ou commencer une nouvelle partie plus en gardant vos gadgets et vos compétences pour en débloquer encore plus. Pas mal! C'est cool! Emma, t'es occupée? Non, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de quitter Trinity Church. Je pensais à Finn et je me disais... Vas-y, je t'écoute. Elle m'a sauvé la vie. Non, il est là, et le truc. La tienne aussi. C'est ça que je voulais vérifier. Et celle de tout le monde. Mais c'est à cause d'elle qu'on a tous été mis en danger. Sauf que vu ce qui est arrivé à Rick... Je la comprends un peu. Tout le monde fait des erreurs. Regarde ton oncle Aaron. C'est grâce à lui que Trigger moi c'est en prison. Et il nous a aidés à évacuer les habitants d'Harlem. Pas faux, chaque moi. Fois que je le vois, je repense à toute la peine qu'il a infligée à ton père. Wesh. Ouais.
Rien ne t'oblige à avoir une idée arrêtée sur la vie de Finn, Miro. Ou sur sa mort. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Souviens-toi juste de qui elle était vraiment et pourquoi tu l'appréciais. Tu sais toujours trouver les mots justes. Ouais. C'est mon boulot de maman. N'hésite pas à me rappeler. Entiendes ? Si. Te quiero. Ça marche. Mais tu m'as un peu déstabilisé avec ce que tu racontais, maman. Je vous jure, j'exagère pas. J'arrive pas à me sortir de ça, là. J'ai rien fait, hein ! Sony, s'il vous plaît, ne me dites pas, c'est ma faute ! C'est quoi, ça, avenue de la mémoire ? Allez à l'appartement. Bon, boss, quelle souplesse. Faut vraiment que je dorme. Une petite... une sieste. Oh, là, on dirait moi dernièrement, je te jure. J'ai trop besoin de sommeil, frère, c'est grave. Dodo, frérot, dodo. Il dort avec ses chaussures, il s'en bat les couilles. Iou, il met les chaussures là où il met sa tête. Quand même, frérot. Wesh, il a dormi deux jours. En même temps, après tout ce qui s'est passé, frérot, c'est un bordel. Faut bien récupérer, hein. De la part de maman. Oh, c'est son un indice pour une chasse au trésor. Papa m'en faisait faire. Elle en a créé une nouvelle. Joyeux anniversaire, Miles. Prêt pour la meilleure chasse au trésor de l'univers. Voilà le premier indice. En face du parc, le poids du monde sur nos épaules. Nous gardons le prochain indice. Ok. Mais c'est trop bien. Faut que j'aille voir ça. Qu'est-ce que maman a inventé? C'est ça le cadeau, en fait. Je devrais sortir faire un petit tour au muséum d'histoire naturelle. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Ouais, il y a grave des choses à faire, hein. Il y a grave des choses à faire encore. Je sais pas, est-ce que je vais les faire hors vidéo et après vous présenter les tenues, ou bien est-ce que je vais faire ça avec vous. Dans tous les cas, on verra. Salut Miles, tu es en nouvelle après. Ouais, il s'en est passé des trucs pendant mon absence. Jamais de repos pour les Spider-Man. Ah non. À ce propos, maintenant que je suis revenu, je vais pas passer mon temps à me balancer derrière toi et à te surveiller. Je te fais confiance. Et en plus, j'ai des affaires à régler. Comme quoi ? Je peux t'aider ? Je dois trouver du boulot. C'était cool d'être freelance pour le Bugle, mais il faut quelque chose de plus stable. T'as pensé à faire prof ? Je pense que tu serais bien. Ouais, non. Non, j'avais pas pensé à ça. Peut-être. Je vais y réfléchir, on se rappelle. Bon, enfin bref ! Ouais, c'est joli, hein. Ça, c'est franchement l'un des meilleurs endroits où se poser pour admirer la vue. La belle vue. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez kiffé ce petit let's play à mes côtés. Ouais, j'espère que vous me reverrez sur ce jeu. Comme je vous ai dit, tout ce qui est quête annexe, tout ce qui est costume, tout ça, bah, je verrai comment je vais essayer de vous présenter ça. Dans tous les cas, prenez soin de vous, j'ai reçu une vidéo. Peace! Baisons!